Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. J'ai reçu un mail de la société FG Hobby. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça. Le 24 mai, et j'ai reçu le colis. Alors, soit le 3, le samedi 3 ou le lundi 5, parce que comme j'étais pas là, c'était dans ma boîte aux lettres, donc je ne sais pas l'un ou l'autre. Donc, ça a mis quoi? 10 jours. Donc, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est un site que de points de croix. On trouve du 11, du 9, du 16, du 18, du imprimé et du non imprimé. C'est un site assez complet. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai choisi. Je vous montre. Une tête d'oreiller, j'avais envie de changer un peu, et comme celle de Isa elle avance bien, j'ai dit tiens, pourquoi pas choisir un autre modèle, même si j'en ai encore un à faire dans mon placard. Alors je vais peut-être vous mettre un petit peu, voilà. Alors j'enlève le papier et je vous reviens. Voilà, alors c'est un toolkit comme on reçoit de la compagnie sans nom, avec nos 5 aiguilles, notre petit pompon, notre en bags, oui, notre, comment dirais-je, notre dé à coudre sans embout, et notre en fil-fil qui est là, qui est toujours utile. Voilà. Alors, on a un énorme patron, et voici le modèle que j'ai choisi. En 11 CT, je crois pas qu'il y a d'autres CT pour les têtes d'oreiller. Voici le modèle des roses avec un avec les feuilles en... on dirait comme des papillons, mais c'est pas des papillons, c'est comme des gouttes un peu gelées. Vous savez, ça fait comme un glaçon là et là, c'est magnifique. J'ai hâte de voir les couleurs et de voir les... Bon, les couleurs, je les vois, mais de voir le rendu de ce que ça pourrait donner, tout ça. C'est une 45 par 45. On a toujours les explications ici, comme d'habitude. Et le patron est immense. Et par contre, il y a eu un souci d'impression. Ça a bavé de partout. Oh, la cata. Regardez. Alors, j'espère que j'ai pas de problème sur la toile. Parce que ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais prendre des photos et le dire à la société. Bon, eux, ils y sont peut-être pour rien. C'est la fabrication. Ouh, on a 50 couleurs. Oh là là, j'espère qu'il n'y a pas de problème sur le patron. J'espère, j'espère, j'espère. Sur le patron, sur la tête d'oreiller, pardon. Oh là là, c'est la première fois que je reçois. Alors, je ne sais pas si c'est l'humidité ou la chaleur qui a fait ça. Parce que même derrière, c'est tout bizarre. Là, par ici, ça va, mais par là, là, c'est la catastrophe. Regardez. Ça a bavé. Attendez. Si je ne vous montre pas correctement, vous voyez là, les couleurs, ça a bavé. Même par ici. Vous voyez mieux à la caméra. Là, c'est flagrant en bas. Bon. 50 couleurs, c'est pas mal. On va voir ça. Ça a l'air d'être assez confetti, un petit peu quand même. On va mettre ça là. Alors, on va l'ouvrir. Je cherche. La toile est surjetée. Ça, c'est parfait. Je cherche le... Comment dirais-je? Voilà, il est là. Mon dérailleur. Rigolien.
vous embêter. Je vous reviens. Voilà, je suis revenue. Et ben la pression est très très bien. La toile, enfin la tête d'oreiller, vous voyez, est surjetée. Je vous montre l'impression. Focus, focus. Je vois très très bien. C'est imprimé avec des couleurs que j'ai pas trop l'habitude. Il y a beaucoup de rose. Mais on voit très très bien. Un peu confetti quand même. Mais bon, il faut, hein, pour avoir des détails, il faut que ça soit confetti. Hein. De toute façon, hein. Je suis en train de regarder en même temps. Pas l'air d'avoir de décalage. Je vous montre en même temps que je regarde. Elle est ni trop souple ni trop raide. J'aime beaucoup. Je regarde un peu partout. Non, ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Alors, cette tête d'oreiller, c'est la société FG Hobby. Elle est au prix de 13,90 € en 11 CT. En plus, j'aime beaucoup la façon dont c'est ouvert, comme celle que je suis en train de faire avec Isa. Comme ça, c'est parfait. Hop, hop, comme ça, on est tranquille pour broder. Je vous montre d'un peu plus près. C'est sympathique. On va regarder les couleurs. Donc déjà, même si le patron, il y a un souci, la toile est bien. Mais je vais essayer de demander quand même à la société s'ils peuvent me l'envoyer en PDF. On ne sait jamais. Oui, à mon avis, il y a eu un problème. C'est l'encre. Hein, parce que vous avez vu, l'encre, elle a bavé jusqu'ici. Donc, voilà. On va regarder les jolies couleurs. On a une grosse tresse de 939. Oui. Voilà. On va regarder les couleurs tout de suite. 50 couleurs. 50 couleurs. Dans les teintes de bleu, de violet. On a un peu de vert également, du rose. Regardez-moi ces bleus là, magnifiques. Ce beige, un peu bordeaux, mais très clair. Ah, cette couleur. Moi, j'adore cette couleur. Regardez ça. C'est beau, hein? Je n'ai pas de code promo. Je sais pas si la société en fait. Sinon, je vous le mettrai en barre de description. Ainsi que mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer... un message si vous voulez me poser quoi que ce soit comme question. J'essaye d'y répondre. Pardon, au mieux que je peux. Si je sais y répondre, bien évidemment. Du rose, du violet, un peu de noir, des gris, du marron, du rouge, encore des violets, du vert, du gris, des teintes de bleu. Et là, de l'autre côté, on a des bleus. Regardez-moi ça. On a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 14, 15, 16, 17, à peu près, ouais. Presque une vingtaine de couleurs de bleu, de dégradés de bleu. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein. Encore un peu de vert, du marron. Encore du bleu, là. Vous avez vu ce panaché de couleurs, quand même. De toute façon, moi, je dis, plus il y a de couleurs, plus on a de chance de voir les petits détails. C'est comme le diamond painting. Hein. Plus on va prendre grand, plus on va avoir les détails. Et les couleurs font beaucoup aussi si on
a beaucoup de couleurs pour faire les ombrages et choses comme ça. C'est, on est obligé d'avoir autant de couleurs. 50 couleurs, mais je ne m'attendais pas quand même à avoir autant. Je la trouve vraiment magnifique, 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 magnifique. Et je ne l'avais jamais vue ailleurs. Alors dites-moi en commentaire si vous, vous l'aviez déjà vue. Moi, je l'avais jamais vue. Je la trouve vraiment magnifique. Merci, merci beaucoup à la société FG Hobby pour leur confiance. Je ne connais pas cette société. J'ai déjà vu une ou deux unboxings. Il me semble que Isa en a déjà prétendu une. Peut-être Elisa, je crois. Ou Laure. Ou Lily, je ne sais plus. Et je suis ravie d'essayer un produit de leur boutique. Voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais quand même leur envoyer un mail pour leur dire pour le patron. Mais peut-être que c'est juste moi. Ça se trouve, vous allez commander cette toile et vous, vous n'aurez pas de problème de patron. Déjà, il n'y a pas de problème sur la toile. Sur la toile, c'est ce qui compte aussi. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.